Est-ce que... Bon, salut Martin. Salut Michael. Petit problème technique ce midi. Écoutez, on est super content d'être là avec vous ce midi. Ça fait presque un an, Martin, qu'on n'a pas fait d'épisode. Et je pense qu'on était rouillé un peu, en fait. Ouais, ça faisait un petit moment, effectivement. Comme on disait, là, je pense que la pandémie a eu raison de nous, là. Écoute, on a été tellement occupés, beaucoup. Qu'est-ce qu'on remarque, là, c'est que ça a amené beaucoup d'entreprises à vouloir se transformer, à adopter une transformation numérique, adopter de nouveaux concepts. Ils sont rendus compte, là, vraiment à quel point, là, tout ce qui est autour des TI, l'importance que ça a. Donc, nous, on l'a ressenti directement. C'est positif, mais d'un autre côté, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a retardé un petit peu, là, de nos productions, Twitch. Alors, on veut reprendre ça en force, comme on le faisait avant, de façon régulière. Effectivement, écoute, c'est tellement le fun de faire ça. On a eu du plaisir cette semaine avec toi à se mettre dedans, à fonctionner tout le setup. Je veux juste avertir les gens qui nous regardent en ce moment. Je t'entends Le setup, pas très. il Je t'entends pas très bien, Michael. Excuse-moi. Sais pas si c'est juste moi ou si c'est pareil pour l'auditoire. Problème technique, on est en train de s'ajuster. Je suis en train de chercher un fil. Pas le système de full en ce moment. C'est ce qui arrive quand ça fait trop longtemps qu'on a fait ça. On n'a pas on est rouillé un petit peu, puis même juste ressortir l'équipement que ça prend, les lumières, tout ça, là, ça faisait vraiment longtemps, là. Donc, J'ai l'impression, je ne sais pas ce que j'ai mis ça. Je suis vraiment désolé. je t'entends mieux là. Tu m'entends mieux, mais je suis certain que les Ouais. gens t'entendent en double. Là. Parce qu'on a un petit problème technique. Ok, j'ai trouvé. Trouver la source. Bon, tu veux-tu me parler, Martin? Bon, Oui, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très excellent. bien. Et ton Parfait, bas, ce moi que... aussi je Bon, t'entends super. très bien. Fait que c'est réglé. Excellent. Donc, encore une fois, désolé du petit problème technique, hein, c'est de repartir la machine. Ce que j'expliquais juste avant le petit problème technique, c'est que on aurait fait tout le setup. En fait, j'ai un nouveau laptop depuis un an. J'ai changé mon laptop. J'ai dû tout remonter, tout refaire le setup. On a testé, moi et Martin, cette semaine, mais il reste encore des petites faiblesses. Moi, entre autres, dans mon laptop, juste pour vous dire, là, j'ai un. C'est un Lenovo, un P2 génération 4, qui vient avec une carte Nvidia à l'intérieur. Je n'ai pas installé les pilotes Nvidia. Parce que j'avais un problème avec les pilotes, en fait, avec mes deux écrans. Donc j'attendais les nouvelles versions qui allaient possiblement corriger ça, mais je ne l'ai pas fait. Fait que là, on est sur le driver nouveau, Martin. C'est le driver OK. par défaut lorsqu'on a une carte Nvidia. Ce n'est pas un mauvais driver, mais je pense que ça va mieux avec les drivers officiels de Nvidia. C'est sûr, c'est sûr. Donc, si jamais, je voulais dire en fait, si jamais ça coupe pour ceux qui nous regardent en ce moment, malheureusement, on ne sera pas capable de reprendre parce que si ça coupe, on perd tout le setup. Donc, il faut recommencer. Donc, juste vous avertir, si jamais, pour X raison, la vidéo s'arrête, c'est un peu hors de notre contrôle, mais on va corriger ça pour le prochain épisode définitivement. Donc, on va croiser les doigts. Martin, il faudrait faire un sacrifice hein, quand on fait des démos. Oui, On fait des exactement. sacrifices. Il faut Puis faire un sacrifice pour s'assurer que tout va bien. considérons cet épisode comme un dry run Oui, c'est bon. pour les prochains. Pour les prochains. Excellent. Super. Donc, j'y vais avec. Tiens, on est en introduction, Martin. Souvent, ce que je fais dans les autres épisodes, ben, pour ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois, juste pour vous dire que tous les précédents épisodes qu'on a faits, je sais que ça date là, de plusieurs mois, sont toujours disponibles. Vous allez voir passer le lien.
C'est vrai, il faut que j'active le petit robot. Je ne l'ai pas fait. Donc, je vais activer le petit robot pendant que tu parles tantôt. Donc, il y a un lien qui va passer, un lien YouTube. Toutes nos vidéos sont là. J'ai même des vidéos en extra, là. J'ai fait, entre autres, Martin, je ne sais pas si tu te souviens, une vidéo sur comment installer OpenShift sur Amazon. Donc, ça, Oui, ce n'était oui. pas un Twitch qu'on avait fait, moi puis toi. C'était une vidéo à part. Et c'est une vidéo qui est vraiment, je suis très surpris là, de la quantité de personnes qui sont allées le voir. Là. Fait que c'est fun, c'est motivant. Il y a un grand intérêt, là. Tu sais, installer une plateforme de conteneurs, une plateforme applicative sur des services info nuagiques. Donc, je ne suis pas surpris là, de l'engouement que tu as eu Ouais. avec ton vidéo. Et en fait, j'ai eu une demande, il y a un client qui m'a demandé de faire la même vidéo, mais avec Azure, et je l'ai dans ma liste, là. J'aimerais ça prendre le temps pour faire la démo, comment installer en mode API OpenShift sur Azure, pardon. Donc, c'est dans mes plans prochainement, là, peut-être d'ici avant l'été, ou sinon, ça va aller plus tard, après les vacances. Donc, prochaine section, Martin, on irait avec... Les événements, en fait, j'ai marqué prochain événement. On n'a pas vraiment de prochain événement planifié à court terme. Juste revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, parce que cette semaine, c'était notre gros événement, le Red Hat Summit. Donc, il y a eu encore une fois plusieurs annonces. Ce qui était le fun, Martin, cette semaine, c'est en fait, c'était pour cette édition-là, c'était un retour en présentiel. Oui, Donc, finalement. enfin, les Ouais. événements reprennent. Bon, on a le Red Hat Summit. En passant, nous, on a commencé aussi à redonner des workshops. Et c'est vraiment super le fun. Il y a plein de monde qui vient. On sent que les gens ont envie de venir sur site. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Cette pandémie-là va être finalement derrière nous pour pouvoir prendre un train-train plus normal. Tout à fait. On a commencé à revoir des clients, tu sais, à voir des gens en personne. Ça fait du bien. On se rend compte que les échanges sont beaucoup plus, tu sais, c'est plus constructif, c'est plus facile d'échanger. Il n'y a rien comme le non-verbal, il n'y a rien comme être en personne pour justement là, échanger des idées ou tu sais, parler d'architecture ou autre. Donc, si vous voulez nous rencontrer, si il y a un sujet en particulier, vous voulez pousser, qu'on fasse des whiteboards ensemble. Soyez bien à l'aise, là, nous, on a commencé à revoir les gens en Donc, personne. oui, effectivement, Ça fait ça vraiment c'est le du fun. bien. Justement, on a fait un workshop, moi plutôt ensemble, à Oui. Québec, dans c'est une espèce de camp de vacances, là. Ça a été vraiment sympathique. C'était le premier qu'on faisait depuis plusieurs mois, là. Fait. Donc, super. Donc, si on fait un petit retour, Martin, sur le summit, en fait, je ne vais pas trop creuser ça parce que c'est frais dans notre tête. En fait, moi plutôt, on n'a même pas fini de digérer tout ce qui s'est dit au summit. Mais juste mentionner qu'il y a vraiment eu, pour ceux qui étaient là, ceux qui ont gardé là, vraiment un focus sur RHEL 9. Là, RHEL 9 s'en vient. En fait, il devrait être GA très bientôt. On a eu beaucoup d'annonces côté Edge aussi. Le volet Edge est très à la mode en ce moment. L'informatique en périphérie en français. je ne sais pas, Martin, si tu veux en parler. Je sais que de ton côté aussi, quelque chose qui t'intéresse, là. Oui, si tu parles de RHEL 9, entre autres, RHEL ben en 9, tout cas, OpenShift, les annonces autour d'OpenShift. oui, puis il y a eu beaucoup de. Ce qui est intéressant, bon, en fait, on le sait, là, le summit s'est fait en mode hybride, OK? Fait que donc, oui, il y a eu des présentations live, il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'aller en personne, mais il y a une tonne de sessions qui sont préenregistrées. Elles vont être disponibles pour toute l'année. Donc, je vous encourage fortement à aller voir des belles sessions. Tu sais, si mettons, vous faites partie de ceux là, qui ont encore un OpenShift 3, bon, il y a des gens qui expliquent comment ils ont réussi à passer de 3 à 4 de façon très rapide. Beaucoup de sessions au niveau de l'automatisation. Comment j'intègre l'automatisation dans mon entreprise. Beaucoup de sessions, évidemment, autour de OpenShift, le développement moderne, tout ce qui est pipeline, tous les concepts DevSecOps. Bref, j'encourage à aller voir ces sessions-là. C'est sur demande. Vous cliquez, c'est gratuit, puis vous allez voir le contenu. Excellent. Puis en fond d'écran, j'ai mis en fait la salle principale du summit. Donc, j'ai trouvé une petite photo sur Twitter. Je trouvais ça bien, ça faisait plus chaleureux comme summit. Hein. En fait, généralement, les sessions générales, on est vraiment des milliers de personnes. Là, ça semblait être limité à une centaine de personnes. Donc, plus chaleureux, mais quand même très bien comme setup là, au Red Hat Summit cette année. Donc, prochaine section, Martin, on continue. En fait, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de démos. On n'a pas une grosse démo pour vous aujourd'hui. On a beaucoup de nouvelles vu que ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Donc, on trouve nouvelles et trouvailles. Donc, on va embarquer dans cette section-là, Martin. Tout à fait. Tout à fait. Ben, je pense que la première trouvaille, en fait, on va parler de cockpit.
C'est quoi Cockpit? En fait, c'est une interface web qui vient en réalité, dans le fond, je suis en anglicisme, mais out of the box. Là, quand on installe Red Hat Enterprise Linux, on se retrouve à avoir cette interface-là là, qu'on peut activer, mais elle est déjà installée. Et donc, via l'interface graphique, ce qui est intéressant, là, je vois que tu montres là, le login. Donc, on peut aller configurer plusieurs, ben, en fait, l'ensemble de notre serveur Linux, tu sais, que ce soit au niveau du stockage, la réseautique, il y a même un terminal qu'on peut accéder via l'interface web. Ça peut être particulièrement utile pour les gens qui ont soit pas, je sais pas, là, de leur poste de travail, peuvent pas faire un SSH, une connexion SSH directement au serveur. Donc, ça peut être utile à ce niveau-là. Voir, tu sais, toute la gestion des services. Maintenant, quand on regarde, on a parlé un petit peu du Edge. Ben, quand on parle de Edge, on va parler de petits appareils. On va parler de ARM, on va parler de Raspberry. Hein? Alors, à même Raspberry, dans le Raspbian, dans le fond, on peut installer Raspbian qui est basé sur Debian comme distribution. On peut installer Cockpit, donc aussi simplement que apt-get install Cockpit. Et automatiquement, ça va ouvrir justement le service sur le port, je pense que c'est 9000 ou 90, 90, le port 9000. 90, 90. 90, 90, bon, excuse-moi. Donc, j'étais proche. 90, 90, et ça nous donne l'interface web pour administrer notre serveur Raspberry. Puis, Cockpit, comme vous savez aussi, on peut ajouter, à partir de la même interface, on peut ajouter les autres serveurs. Donc, si vous avez peut-être un petit parc là, de Raspberry, vous voulez avoir une gestion centralisée. Donc, c'est une belle façon de le faire. Donc, belle petite trouvaille, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si vous êtes le genre, là, comme moi, à jouer avec ce type d'appareil-là. Mais je pense que c'est très prometteur, là, la technologie ARM. Oui, absolument. Puis pour revenir sur Cockpit, moi, ce que j'aime bien mentionner, là, je sais que j'ai déjà dit dans plusieurs des autres épisodes, mais pour ceux et celles qui c'est la première fois qu'ils se joignent à nous, ce qui est vraiment cool dans le projet Cockpit, c'est qu'il y a un développeur, c'est une intelligence artificielle qui est là. Donc, je pense que c'est le deux ou troisième développeur qui fait le plus de commits dans le projet. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ben, Cockpit hérite l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, c'est super. Ah, c'est super. Super. Good. OK, prochaine trouvaille, nouvelle. En fait, c'est un livre que je veux partager avec vous. En fait, Martin, en janvier, au retour des vacances, c'est un peu plus tranquille. J'en ai profité pour rafraîchir mes certifications Red Hat. Oh! Oui, donc j'ai c'est fait... C'est bien ça! Oui. Puis justement, peut-être pour ceux et celles qui sont intéressés à faire ces certifications-là, du moins les étudier, bien les étudier. On a un collègue qui s'appelle... Scott McCarthy, qui a lancé un livre, qui a lancé un nouveau livre sur Red Hat Enterprise Linux 8, l'administration, qui se veut le volet de la certification RH-CSA. Donc, c'est une bonne préparation. Juste en rappel, Scott, il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissez, puisque Scott est venu une fois à Montréal et à Québec dans les Rogues, avait parlé de où on s'en allait avec les containers. Juste un petit rappel. Donc, et j'avais eu même la chance, Martin, d'emmener Scott skier au Mont-Saint-Anne et sur la petite rivière. On était tombé sur une fin de semaine de tempête de neige. Donc, ça avait été magnifique. Il avait vraiment trippé, là, Scott. Bref, Scott, c'est un de nos collègues qui a écrit un super livre sur L8, donc disponible sur Amazon. Donc, je vous invite à aller jeter un œil, puis peut-être en faire l'acquisition, puis le lire. Donc, l'été qui s'en vient, Martin, c'est le fun d'avoir des petits livres à lire sur le patio. Donc, ça en est un. Tout à fait. Tout à fait. Justement, aujourd'hui, c'est une belle journée pour ça. Hein? Oui. J'espère que vous nous écoutez, d'ailleurs. J'espère que vous nous écoutez assis. Vous avez pris le temps là, de vous asseoir un petit peu dehors pour manger, puis vous avez pris votre téléphone, votre iPad, votre laptop pour regarder le Twitch à l'extérieur. Excellent. Fait que prochain sujet, Martin, c'est les métriques. Bien, on parlait de métriques dans Red Hat SSO. Donc, Red Hat SSO, là, c'est quoi? Premièrement, c'est le produit basé sur le projet communautaire KeyCloak. KeyCloak qui est en fait un gestionnaire d'identité, là où on peut finalement faire de la fédération d'usagers, fédération d'identité, puis finalement avoir le contrôle. Autrement dit, ça va nous donner carrément un single sign-on dans notre organisation. Red Hat SSO, c'est inclus avec OpenShift. Okay? Donc, quand on installe OpenShift, on a Red Hat SSO, on a un petit opérateur, on installe l'opérateur, puis on déploie Red Hat SSO et on peut s'en servir pour l'ensemble d'entreprises, peut s'intégrer avec différentes sources externes, exemple Active Directory ou autre. Okay? Sauf qu'on a besoin de métriques.
C'est beau d'avoir le système en place, mais on a besoin de chercher les métriques. Puis, ouais, c'est ça, tu as ouvert la page de ce que je vois. Donc, à même OpenShift, on a le concept qu'on appelle le User Workload Monitoring. Okay? Donc, si tu scrolles un petit peu la page, Oui. puis montrer l'endroit où ce qu'on parle de pod moniteur. Donc, on peut donner à l'opérateur dans OpenShift une ressource qui s'appelle pod moniteur qui va automatiquement aller chercher les métriques qui proviennent de JBoss. Okay? Donc, Keycloak ou Red Hat SSO, par défaut, vont publier leurs métriques à travers JBoss. Puis, en créant le pod moniteur et le service moniteur, automatiquement, OpenShift va prendre ces métriques-là et l'envoyer dans le Prometheus du User Workload Monitoring. Donc, pourquoi c'est important tout ça? C'est parce qu'on n'a pas rien à coder. Je n'ai pas à créer un service à côté qui va aller chercher ces métriques-là. Elles sont disponibles. Vous n'avez qu'à les prendre finalement, à les consommer. Et si tu scrolles dans la page, vous allez voir, vous avez des beaux dashboards qui vont vous donner de l'information à ce qui a trait, exemple, au nombre de logins, c'est quoi les logins qui ont failé, le failure rate. On peut se mettre des alarmes aussi basées là-dessus. Si mettons, j'ai quelqu'un qui essaie de se connecter plusieurs fois, ben mon failure rate va monter et donc automatiquement, je peux peut-être potentiellement penser que j'ai un problème, une attaque ou autre, et donc réagir basé sur cet événement-là. Donc, c'est juste un exemple de métrique. Il y en a plein qui sortent par défaut de Red Hat SSO. Et encore une fois, aucun code n'est requis. Tout ce qu'on a à faire, c'est créer la ressource dans OpenShift pour activer la fonctionnalité. Super, Martin, merci. Vraiment intéressant. En fait, plusieurs clients. Tu sais, en fait, on va en parler un petit peu tantôt, là, parce qu'il y a une nouvelle version de la Data SSO qui est sortie dans la section des nouvelles versions. Mais juste mentionner, là, la Data SSO, c'est une petite pépite d'or, hein, est cachée. Ah ouais. C'est pas un produit qu'on vend directement. En fait, ça vient avec OpenShift, je pense que tu l'as mentionné, puis JBoss. Mais reste que c'est un projet vraiment très populaire, beaucoup de demandes de nos clients, des grosses installations, des gens qui font des grosses installations de Red Hat SSO. Puis c'était un peu une lacune. On n'a pas rien out of the box qui vient pour les métriques, hormis ce qu'on trouve dans OpenShift, bien sûr. Là. Parce qu'il Exact. y a des métriques dans OpenShift. Mais ici, c'est vraiment des métriques propres à Red Hat SSO. Donc, super intéressant. Good. Tiens, on va rester dans les livres encore, Martin. Un autre livre Ah oui? à T'aimes vous ça la lecture? proposer. Comme ça, la lecture. Hein? Donc, je vais partager ça à l'écran immédiatement. En passant, je veux juste dire, actuellement, je ne suis pas en mesure de pouvoir mettre des liens dans le chat. Malheureusement, comme on a eu des petits problèmes techniques juste avant le début de cet épisode-là, là, je n'ai pas tout été en mesure de refaire mon setup. Donc, les liens vont être disponibles après l'épisode. En fait, je vais archiver l'épisode sur YouTube. Dans la description sur YouTube de l'épisode, vous allez avoir tous les liens là, de tout ce qu'on présente aujourd'hui. Donc, inquiétez-vous pas. Puis, à un prochain épisode, on va s'organiser pour que vous ayez les liens au fur et à mesure. Donc, je vous présente un autre livre, après vous avoir présenté REL8. C'est un livre sur PodMan, Martin. Oh, Oui, ça donc, c'est je pense que intéressant. c'est dans les premiers qu'on voit. Et ce qui est le fun, c'est Daniel Wash qui écrit le livre, notre collègue Daniel Wash. Daniel est venu aussi à Québec, puis à Montréal, dans les Rogues, voilà quelques années, présenter ce Linux. Il est venu même. À un moment donné, au Red Hat Day à Québec, parler de sécurité avec les containers. Donc, Dan est en arrière de Podman, a écrit un livre très, très complet sur le sujet. En fait, le livre, cherchez-le pas, il n'est pas sorti encore. En fait, ce que je viens vous proposer en ce moment, je peux vous montrer un petit peu le contenu du livre. On voit les chapitres ici à l'écran en arrière. Donc, vous montrer là, que ça va quand même assez en profondeur avec Podman. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi PodMan, ben c'est notre outil qui vient avec REL qui vous permet d'exécuter des containers de façon locale. Et ce qui est vraiment le fun de PodMan, ben c'est pas un démon, hein, ça prend moins de ressources, moins lourd que Docker. Et c'est compatible avec les images Docker aussi, donc super intéressant. Donc si vous voulez, je vais mettre dans le lien du vidéo, en fait je peux vous le dire, je vais juste sortir mes petites notes. Je vais mettre le lien ou le commander. Je pense que vous pouvez taper Podman in Action dans Google. Vous allez tomber sur la page de manning.com qui propose le livre. Pour pouvoir le commander, vous devez rentrer un code. Le code, c'est MLWASH. Je ne sais pas, Martin, si tu peux peut-être. Je ne sais pas si tu as
tu as la fenêtre Twitch proche de toi, là, mais peut-être toi, tu peux écrire dans le chat. Moi, je ne l'ai pas d'ouvert en ce moment. Ouais, je sur peux mon pas... téléphone, ça va okay, pas bien aller. C'est pas grave, regarde, on va le mettre dans. Je pensais que tu l'avais proche, ouais. J'aurais pu te le mettre, mais je répète, le code, c'est MLWASH. Ça vous donne non seulement accès au livre, mais en accès avancé, si vous voulez. Dans le fond, il n'est pas disponible, mais ça vous donne un 50% de rabais aussi. Donc ça, c'est une gracieuseté de Dan. C'est Dan qui a partagé ce code-là avec nous. Et on le partage avec vous, puis vous essayez d'en profiter. Donc je vous invite là-dessus. À aller voir. Si vous avez la chance. Oui, vas-y, Martin. Puis si vous avez la chance de voir des vidéos là, de Dan Walsh, vous savez, ou être encore plus chanceux d'avoir la chance d'être présent live à une conférence où Dan Walsh présente, c'est extrêmement formateur. C'est extrêmement formateur. Moi, il m'a surpris à quel point il est capable de soulever différents problèmes de différentes technologies, puis vraiment d'expliquer pourquoi on a utilisé, exemple, PodMan, pourquoi l'architecture de PodMan, pourquoi c'est important les changements qui ont été faits dans PodMan versus, exemple, Docker, pourquoi SE Linux est important, où est-ce que ces morceaux-là améliorent la sécurité de nos systèmes. Donc, il est très, 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 très plaisant à écouter. Excellent. Donc, prochaine, je ne dirais pas nouvelle, mais trouvaille, Martin, super, quelque chose de super intéressant. Ben ça, c'est, d'autant plus intéressant, parce qu'on va parler de F1, OK? Donc, on sait que la F1, ça s'en vient, au mois de juin, au fond, mi-juin, ça va être le début de la F1, et on a quelqu'un là, chez nous, là, un engineer, principal engineer, chez Red Hat, qui s'est amusé à prendre l'ensemble des outils, l'ensemble des projets issus de la communauté. Donc, on va parler de Kafka, on va parler de Quarkus, on va parler de Camel, pour justement aller chercher la télémétrie d'une course de F1. Okay? Là, vous allez me dire, ouais, mais comment vous avez fait pour aller chercher l'information? En fait, c'est une simulation. Qu'est-ce qu'il fait en réalité? C'est qu'il se connecte sur le stream du jeu F1 2021 sur Xbox. OK? Puis il est capable, en fait, la Xbox est capable d'envoyer le stream de télémétrie en UDP. OK? Et donc, il est capable de le capturer via Camel, via des services Camel, d'envoyer ça et de séparer, bref, faire une première logique, de l'envoyer dans différents topics de Kafka. Et ensuite, de chacun des topics, on va aller reconstruire l'information. Certaines informations, on va les mettre dans InfluxDB et on va pouvoir visualiser en temps réel, dans Grafana, la télémétrie, les statistiques de notre course. Et là, quand je parle de statistiques de la course, c'est quoi le RPM du moteur? On va parler de regarder, OK, c'est quoi les temps pour les différents laps. Bref, une tonne d'informations sur la course qui est en cours et le tout issu du jeu, encore une fois, là, qui est sur Microsoft Xbox. Donc, c'est super intéressant. Je vous encourage. C'est ça. Je vois, Michael, tu es en train de partager tout ça. Super intéressant. Il y a un lien GitHub aussi qu'il faudra partager peut-être à la prochaine rencontre. Où ce que, justement, c'est. Ben, en fait, le nom de la personne, c'est Paolo. Patierno, j'espère que je le propose, que je le prononce correctement. Donc, Paolo Patierno, allez voir son GitHub. Sur GitHub, lui, il a mis tout son code, donc tous les différents services qu'il a montés, tout écrit en Quarkus. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est le peu de code qu'on a besoin. Quand on utilise des frameworks comme Camel pour faire de la transformation de données, quand on utilise justement Quarkus avec toutes les API qui sont déjà disponibles pour parler à Kafka, quand on utilise tout ça, on se rend compte que en réalité, on ne fait que définir une configuration dans Java, mais on n'est pas en train de tout réécrire la routine, de prendre événement par événement pour justement les traiter. Donc, il y a beaucoup d'automatismes qui sont déjà en place. Puis, dernière information à ce sujet-là, eux, ils ont utilisé le service, en passant, là, si vous allez sur console.redhat.com, Red Hat a commencé à publier des services SaaS, OK? Donc, Kafka en fait partie. Donc, je peux carrément là, demander une instance de Kafka.
C'est fou comme c'est simple. Honnêtement, là, une ligne de commande, j'ai un cluster Kafka, une autre ligne de commande, j'ai un topic. J'ai pas eu d'infrastructure à installer. Donc, c'est super simple à gérer. Donc, allez lire en détail qu'est-ce qui est proposé là, dans ce blog-là. C'est super intéressant. Puis en même temps, bien, comme je vous dis, on s'enligne vers le mois de juin, le mois de la F1. Donc, c'est totalement lié avec ce qui se passe. Oui, d'ailleurs, je vais aller faire un tour avec ma famille à F1. Ça va être la première fois qu'on y va tous. Okay. Donc, on est des fans de la série sur Netflix. En fait, c'est ce qui nous a fait aimer la F1. Là. J'étais pas un amateur de F1 avant. On a commencé à regarder la série. Série que je recommande en passant. S'il y en a qui n'ont pas vu la série, ça s'appelle Drive to Survive sur Netflix. Ça présente les différentes saisons de la F1, mais avec vraiment une histoire plus orientée sur les pilotes. En fait, qu'est-ce qui se passe entre les courses? Okay. C'est quoi les conflits qu'il y a entre les pilotes et les directeurs, tout ça. Donc, vraiment intéressant. Là. Ça met plus humain un petit peu la F1. Là. Fait qu'on a vraiment adoré ça. On va aller voir ça. On va aller vivre l'expérience F1 pour une première fois. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte d'entendre les moteurs. Là. Ça a l'air que c'est assez intense. Super. Donc, dans les prochaines trouvailles, petit projet que j'ai déjà parlé, je pense, dans une des épisodes précédentes, c'est notre groupe chez Red Hat, le groupe Red Hat Emerging Technology, le groupe ET. Donc, pour les technologies émergentes chez nous. En fait, ils ont refait le site web et ont ajouté des nouveaux projets. En fait, ce que vous allez retrouver en fait, sur ce site-là, c'est sur quoi nos ingénieurs sont en train d'explorer. Okay, c'est des technologies dans lesquelles ce ne sont pas nécessairement rendus des produits ou c'est des bouts en fait de fonctionnalités qui vont être éventuellement rajoutés à nos produits. Donc ça peut être intéressant pour vous, si vous voulez voir un petit peu dans le futur sur quoi Red Hat travaille, ce qui pourrait devenir un produit officiellement supporté par Red Hat. Donc je suis en train de faire défiler la liste à l'écran, là, Martin. Donc c'était juste... Oui. Faire un petit retour sur ça, ça existe, c'est très transparent. Chez nous, on ne cache rien, il n'y a pas de projet secret, hein, on est une compagnie open source. Donc, regardez avec Ceph, entre autres, il y a des avancées qui s'en viennent avec Ceph, des nouveaux projets Ceph. Donc, c'est intéressant là, pour ceux qui s'intéressent au stockage. Super intéressant. Oui. Ouais. Excellent. Donc, dernière petite nouvelle, c'est une nouvelle sur REL, en fait, une nouvelle très intéressante dans le contexte actuel, Martin. On est dans un contexte de guerre, de cyberguerre, si on peut dire comme ça. Les Russes sont très forts sur les attaques. Donc, juste vous mentionner, Red Hat, on est allé chercher une certification de sécurité super importante pour le système d'exploitation, qui est la certification Common Criteria, une certification les plus importantes pour les systèmes d'exploitation. Donc, on vient de l'avoir, on l'a eu en avril pour la version 8.2 de Red Hat Enterprise Linux. Qu'est-ce que ça vous donne comme information, en fait, qu'on ait cette certification-là? Ben, en fait, pour aller chercher cette certification-là, première des choses, Martin, ça coûte des millions de dollars. Là. C'est pas facile à aller chercher. C'est beaucoup de travail. C'est des mois de travail. Donc, ce que la certification confirme, en fait, c'est que on a développé notre système d'exploitation dans des processus de sécurité quand même assez rigoureux, que la plateforme a été livrée, le OS est livré, avec des normes de sécurité quand même assez sévères. Donc, ça garantit pour vous, lorsque vous déployez Red Hat Linux 8.2, bien, il y a eu un travail de sécurité qui a été fait. Là, vous ne vous retrouvez pas avec un OS avec plein de trous, plein de vulnérabilités faciles à exploiter. C'est sûr que dans le temps, Linux 8.2 va évoluer, les paquetages, éventuellement, il va se découvrir des nouvelles vulnérabilités, mais reste qu'il y a un travail qui a été fait pour s'assurer qu'on vous livre quelque chose avec au moins une bonne sécurité en partant. Et ça, Martin, c'est pas quelque chose que les autres distributions font. Il n'y a pas beaucoup de distributions Linux là, qui vont chercher cette certification-là parce que c'est complexe à aller chercher, c'est coûteux. Et surtout pas les distributions communautaires. Là. Il n'y a pas aucune distribution communautaire qui est en mesure de se payer une certification comme ça. Donc, c'est quelque chose que je parle beaucoup quand je rencontre mes clients. C'est quelque chose qu'on est fier chez Red Hat, ces certifications-là. Et encore une fois, dans le contexte actuel, bien, c'est important de livrer des logiciels sécurs. Et c'est au cœur de ce qu'on fait chez Red Hat. Même si on n'est pas une compagnie de sécurité, comme nos produits sont orientés pour l'entreprise, bien, on s'assure que tout est livré de façon sécuritaire. Et c'est avec les certifications qu'on peut vous démontrer qu'on est très sérieux là-dessus.
Exact. Je te donne peut-être une petite parenthèse, là. On se le fait demander de plus en plus, hein. Est-ce que vos logiciels fonctionnent en mode déconnecté? S'il arrivait quelque chose, si bon, tu as parlé de cyberattaque ou autre, comment je peux déconnecter mon infrastructure de l'Internet, mais m'assurer que mes systèmes fonctionnent et tout. Il y a toujours cette option-là, en fait, dans tous les logiciels, là, que ce soit OpenShift, que ce soit RHEL, d'avoir toutes les repos privés pour que tous les systèmes fonctionnent en mode déconnecté dans des cas extrêmes comme ceux-là. Donc ça vient appuyer là, ce que tu dis, l'importance qu'on donne à la sécurité en entreprise. Super, super, excellent. Fait que Martin, ça fait le tour des nouvelles, des trouvailles qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Prochaine section, on s'en va dans les dernières sorties. Écoutez, ça fait un an, presque un an qu'on n'a pas fait d'épisode. On ne fera pas un recap dans la dernière année. Je pense qu'on en aurait pour plusieurs heures. On va C'est aller sûr. chercher les dernières grosses sorties, en fait. Donc, une des dernières, on en a parlé tantôt, Martin, c'est Red Hat SSO. Donc, Red Hat SSO, on a sorti la version 7.5. Je vais revenir un petit peu, là, je vais partager mon écran. Donc, j'ai une présentation en ce moment qui roule, qui est la présentation officielle de Red Hat SSO. Donc, juste pour revenir sur ce que c'est Red Hat SSO. Donc, c'est une application Java qu'on déploie soit en machine virtuelle, soit en container. En container sur OpenShift, ça roule super bien. Donc, il permet en fait, ça donne la possibilité à vos applications, en fait, de faire une gestion d'authentification sans pour vous avoir à modifier vos applications. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête, développer ce volet-là, gestion d'authentification, ben on le fait pour vous avec Red Hat SSO. Donc, Red Hat SSO se branche à toutes sortes de langages et vous déléguez en fait la gestion d'authentification à Red Hat SSO. Et Red Hat SSO, ce qui est le fun, c'est qu'il va aller chercher l'authentification là où il y en a aussi. Donc, à l'écran, on peut aller chercher, par exemple, du côté des réseaux sociaux, par exemple. Donc, on peut aller chercher nos usagers dans Google, dans GitHub, dans Facebook. Et les fédérer avec des usagers internes à mon entreprise et les donner accès au logiciel que j'ai branché avec Red Hat SSO. Et c'est vraiment très simple d'approche, très simple à installer, très simple à connecter. Donc, on a une nouvelle version qui est sortie, la version 7.5, qui est sortie en novembre. C'est pas récent, mais reste que, comme c'est un logiciel qui est très populaire chez nous, qui a beaucoup d'intérêt, je voulais qu'on prenne le temps d'en parler. C'est ça, tu parles là, de connecter Red Hat SSO avec les applications existantes. Moi, je l'ai vu dans le passé, là, puis j'ai eu la chance là, justement de jouer avec ça. La simplicité avec laquelle, par exemple, vous écrivez une application web, okay? Vous faites du JavaScript, peu importe, le React, Angular, Vue.js, peu importe le framework. Là, vous dites, OK, il va falloir que mes usagers s'authentifient. Est-ce que vous allez vraiment vous lancer dans l'écriture de une page d'authentification et tout, avec tous les risques là, de sécurité qui viennent avec, ou tout simplement utiliser le module qui s'appelle KeyCloak.js, okay? Fait que c'est un petit script JavaScript qu'on vient coller à notre application, qui est compatible justement avec les grands frameworks avec lesquels on est habitué de travailler. Automatiquement, il y a une redirection vers le login dans SSO. SSO, comme Michael l'a dit, fait la fédération avec les systèmes d'authentification internes, va nous fournir un token, puis les services back-end, exemple en Java, même chose, on va importer dans le fond les librairies de KeyCloak, puis on va pouvoir aller valider ce fameux token-là. Exemple, est-ce que l'usager a le droit de parler à tel API, sur tel service. Donc, vraiment, ça devient une composante clé là, pour sécuriser nos microservices, sécuriser notre front-end, sécuriser finalement toute notre application qu'on est en train de développer. Oui, puis avec SSO 7.5, pardon, on a fait un rattrapage sur KeyCloak. On est rendu maintenant, quand vous installez Red Hat SSO 7.5, c'est l'équivalent d'un KeyCloak, pardon, j'ai la misère avec ça aujourd'hui. On est à la version 15.02. Red Hat SSO 7.6 s'en vient un petit peu plus tard cet été. Donc, pour l'instant, KeyCloak, on est rendu à la version 18. Parmi les grosses nouveautés de Red Hat SSO 7.5, on a une nouvelle console pour les usagers. Et on a upgradé le thème Pattern Fly 4, la dernière version du framework de graphique, en fait. Et il y a un paquet de petites affaires là, très techniques dans Red Hat SSO. Là, je ne veux pas accrocher sur ça, là, mais bref, pour vous dire qu'il y a eu un bon rafraîchissement avec la version 7.5.
Dans les autres produits qui ont sorti, qui sont importants à noter, on a Satellite 6.10 qui est sorti en novembre. Ce qui est le fun avec Satellite 6.10, on a migré de Pulp 2 à Pulp 3. Pulp qui est vraiment le moteur pour gérer les repos dans Satellite. Ce qui a donné de la vitesse à Satellite. On a enlevé MongoDB, on avait deux bases de données avec Satellite. On a tout centralisé ça dans PostgreSQL. Ça aussi, ça donne une meilleure performance. On a amélioré beaucoup. Martin t'a parlé du mode déconnecté. On a beaucoup de Oui. clients qui font du mode déconnecté avec Satellite. Donc, on a amélioré ça beaucoup. Et on a inclus le support pour Convert to RHEL. Donc, Convert to RHEL permet de convertir des CentOS des Oracle Linux vers Red Hat. On inclut ça dans Satellite et on peut le faire aussi en mass migration. C'est-à-dire que si vous avez des centaines, des milliers de machines, on a adapté le code là, pour supporter ça aussi. Donc ça, c'est les grosses nouveautés avec Satellite 6.10. Ce que je veux vous dire sur Satellite, Super. okay, tout le monde s'attendait à un Satellite 7 prochainement. Il n'y aura pas de Satellite 7 à court terme. En fait, ce qu'on a décidé chez Red Hat, c'est de poursuivre Satellite 6. Satellite 6 est devenu quand même très, très stable. On sait que dans les premières versions, ça avait été plus difficile, Martin, mais avec les dernières versions, c'est grandement amélioré. Et comme on n'avait pas de changement majeur à faire de la Satellite, on a décidé de garder la nomenclature du 6. Donc, la prochaine version 6.11, sa grosse nouveauté, c'est que vous allez pouvoir l'installer sur RHEL 8, ce qui n'était pas le cas pour 6.10 et moins. C'était du RHEL 7 que ça prenait. Et la version 6.12, quelques mois plus tard, va vous permettre d'installer Satellite 6 sur du Red Hat 9. Donc, Red Hat 9 s'en vient très prochainement. Donc, c'est les nouveautés avec Satellite 6 pour l'instant. Martin, on parle de RHEL 9 un petit Super, peu? ben c'est ça que j'allais dire, parlant de RHEL 9. Bon, fait que la bêta est disponible. Je sais pas si je peux partager mon écran vite Oui, fait. tu me dis quand tu es prêt. Ben Je moi je suis suis prêt. prêt. Tu es prêt? Je suis Vas-y. prêt. J'envoie Vas-y. ça là. Tiens, c'est bon? Tiens, Attends un envoyez petit ça. peu. J'ai un petit problème technique. C'est bon. On y va. Oups. Parfait. OK, On voit ton excellent. écran. Donc, bon, j'ai fait ce choix-là, OK, là, bon, vous pouvez me juger, c'est bon, je suis ouvert au jugement, vous voyez ça dans le chat, j'ai choisi un Apple M1, OK. Bon, ça vient avec les avantages de batterie, mais ça vient avec les inconvénients de compatibilité. Par contre, je crois beaucoup au futur de la plateforme ARM, OK, et ça a l'air que je suis pas le seul, parce que Red Hat Enterprise Linux supportait sur ARM. Il y avait une version sur RHEL 8, OK. Par contre, la version sur RHEL 9, probablement qu'ils ont ajusté l'histoire de page size au niveau du CPU, mais maintenant, sur RHEL 9 en bêta, vous pouvez aller le télécharger sur notre portail ici. Puis si vous avez un Mac M1 comme le mien, ben écoutez, vous pouvez installer la machine virtuelle de Red Hat Enterprise Linux en mode ARM et fonctionne, je vous dis, super bien. J'ai pas vu aucun enjeu avec la version actuellement. Puis comme vous voyez là, la liste des paquets, donc ARC 64 là, pour la version ARM, et donc je roule sur Red Hat Enterprise Linux 9 bêta. Donc des belles avancées, ça va nous amener éventuellement vers les devices sont de plus en plus petits. Quand on parle de edge computing, c'est sûr qu'on va parler d'ARM, on va parler de réduction du courant. Quand on parle de data center, de green data center, c'est sûr qu'ARM est une va faire partie de l'avenir aussi à ce niveau-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on supporte Red Hat Enterprise Linux 9 ARM en bêta et OpenShift. Donc, OpenShift aussi et maintenant supporté sur ARM, autant sur Bare Metal que sur les instances. Vous allez l'essayer là sur AWS. Prenez des instances ARM sur AWS, qui coûtent beaucoup moins cher, En puis effet. vous pouvez installer OpenShift. Donc, beaucoup de développement à ce niveau-là. Je vais arrêter mon partage, Oui, Michael. c'est bon, je te remets. Super, Martin. Et puis écoutez, on va avoir la chance d'en parler probablement au prochain épisode, en tout cas dans les prochains épisodes, parce qu'on est tous, on est sur c'est sortie imminente de RHEL 9. Je cherchais le terme à utiliser. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, RHEL 9 va être disponible. Et on en fera peut-être un petit spécial, Martin, dans un prochain épisode, définitivement, pour creuser ça plus ensemble. Tout à fait. Autre sortie importante, on a parlé de Podman tantôt. Martin, une nouvelle version de Podman.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, on va aller vite là-dessus, là, je vois l'heure avancer, mais Oui. Podman 4.1, voilà, Oui, je quatre points, c'est la ça. mémoire. Quatre points. 4.1, Oui. c'est ça, ok, j'étais pas. Donc, 4.1, qu'est-ce qu'on a fait? Beaucoup d'améliorations au niveau du support sur justement Mac et sur Windows aussi. Okay? Pourquoi ces deux serveurs-là, principalement? Parce que sur Mac et sur Windows, quand on installe Podman, qu'est-ce que ça fait en arrière-plan? Ça part une petite machine virtuelle. Okay? Fait que ça, c'est abstrait pour l'usager. On tape les commandes Podman, mais en arrière-plan, il y a quand même une machine virtuelle. Donc maintenant, on a la possibilité, une fois qu'on a installé Podman, de pouvoir changer. Ça a l'air anodin, là, mais maintenant, on peut changer comme les spécifications de cette machine-là, au niveau CPU, mémoire et tout, sans avoir à tout réinstaller Podman. Plusieurs fonctionnalités, là, comme exemple, on peut maintenant faire un clone d'un conteneur. On peut, en fait, c'est quoi? J'ai comme un petit blanc de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux. Oui, c'est ça, on supporte, c'est super important, on supporte Docker Compose version 2.2. Donc, ça, c'est dans les nouveautés aussi. Puis, c'est ça, vous pouvez aller voir les release notes, là, finalement, ça sera un autre lien à partager. Le lien que tu montes actuellement, ouais, c'est ça, quand tu vas en bas de ce lien-là, il y a un lien direct vers le GitHub et ça décrit l'ensemble des fonctionnalités qui ont été ajoutées dans Podman 4.1. Super, super. Et dernière sortie, Martin, qu'on voulait discuter aujourd'hui, c'est Fedora 36 qui est sorti plus tôt cette semaine. Donc, avec un bon rafraîchissement au niveau de GNOME, on passe à GNOME 42. GNOME qui continue son portage vers GTK pour certaines applications dans cette release-là. On a intégré à Fedora 36 Ansible 5. On a Cockpit qui a eu des améliorations. Partage NFS, Samba sont maintenant gérés. NFS, Samba, j'ai l'impression qu'on revient en arrière un petit peu, mais il y a encore des gens qui utilisent ça. Donc, on va pouvoir le gérer avec Cockpit. Et une capacité que j'attendais, que je suis bien content de voir avec Fedora 36, c'est qu'on aurait une meilleure cohabitation avec NVIDIA et Wayland, qui est le nouveau moteur graphique en Linux, mais à nouveau. C'est plus vraiment nouveau, là. Ça fait quand même quelques années que ça roule. Mais on switch tout vers Wayland. Même RHEL 9, vous allez voir, c'est Wayland qui est là aussi en arrière. Donc, on aurait une meilleure cohabitation NVIDIA. Je vais pouvoir le tester pour vous en parler, là, parce que c'est sûr que c'est quelque chose que je vais faire d'ici la prochaine épisode. Donc, c'était les dernières sorties qu'on voulait discuter avec vous. Maintenant, on est rendu à la démo de la journée. Démo de la journée, je crois que Martin, Oui, je tout crois, à fait. Je... je dirais pas je crois, mais c'est bien toi qui s'occupe de la démo. Bon, oui, c'est voilà, Pas c'est de bien moi. surprise. Puis si tu me permets, ben, en fait, je vais juste peut-être mettre en contexte Oui, avant que je absolument. partage mon écran. Donc, on va parler un petit peu de Ansible. Là, vous allez me dire, ouais, j'en entends parler d'Ansible, je sais qu'est-ce que ça fait. Par contre, on va parler d'un sujet plus précis. On va parler de les environnements d'exécution. OK? Donc, pourquoi c'est important un environnement d'exécution? Encore une fois, on va se remettre en contexte. Je sais pas si ça vous est arrivé là, de partir un playbook ou de travailler avec Ansible, puis là, vous vous rendez compte, OK, il faut que j'importe. J'ai des dépendances au niveau Python. Hein? Donc, Ansible est majoritairement codé en Python. Et donc, je me retrouve avec des modules, des fois, qui sont un petit peu plus legacy, qui fonctionnent sur Python 2. J'ai d'autres modules qui fonctionnent sur Python 3. J'ai différents requis au niveau des versions de ces librairies-là. Comment je gère ça? Bon, vous allez me dire, oui, il y a les VNV, donc les environnements virtuels, mais c'est pas tout. Les environnements virtuels, ça a sa limite. Et donc, c'est là qu'on en arrive aux environnements d'exécution. Donc, aujourd'hui, quand on exécute un playbook dans Ansible Automation Platform, ce qui se passe, en réalité, on démarre un conteneur. Hein? Parce qu'en réalité, pourquoi ne pas encapsuler le processus, dans le fond, qui est mon automatisation, dans un conteneur? Et donc, ce conteneur-là contient exactement les spécifications que j'ai besoin pour rouler le ou les playbooks. Donc, tous les paquets qui sont requis. Donc, beaucoup plus simple à gérer. Maintenant, vous allez me dire comment je peux travailler avec ça. Pas besoin nécessairement d'être ferré en contenant. En fait, même pas besoin de savoir les fondements de contenant. Les outils vous ont été fournis. En fait, sont fournis à part entière à travers Ansible Automation Platform et donc Ansible Builder, ce que je veux vous montrer maintenant. Donc, je vais partager mon écran, Kiel. Oui, attends un petit peu, je te dis ça, c'est bon. Oups. C'est bon? Je suis allé trop vite? C'est un petit peu, ouais, t'es allé un petit peu trop vite. Ouais, J'ai c'est pas eu le ça. temps de panier. J'arrange ça tout de suite. Je sais pas si Merci. c'est trop grand. Ça va, comme ça va. C'est bon? OK, excellent.
Est-ce que c'est trop grand? C'est parfait, Martin. Oui, c'est parfait. OK, c'est bon. OK, excellent. Donc, maintenant, Ansible Builder. Encore une fois, moi, je suis pris avec mon Mac M1. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? J'ai comme plein de petites choses qui ne marchent pas. C'est pas grave parce que j'ai tout installé ça sur OpenShift. OK? Et dans OpenShift, j'ai ce qu'on appelle Code Ready Workspace. Donc, c'est quoi Code Ready Workspace? C'est un IDE qui est hébergé sur mon cluster OpenShift. Regardez ici, là, je suis dans une fenêtre Chrome. En fait, je peux aller écrire du code directement sur cette plateforme-là. Autrement dit, un peu comme je le ferais avec Google Doc ou Microsoft 365. Maintenant, c'est l'écriture de code. Okay? Donc, on voyait ça un peu comme un Visual Studio qui est hosté, mais il est hosté en conteneur dans ma plateforme de conteneur. Ce que ça me permet de faire, en fait, ça me permet de créer un environnement de travail spécifique à ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé un conteneur exprès pour faire la commande, pour faire justement mes commandes d'Ansible Builder. Okay? Donc, si, par exemple, mes playbooks ont besoin de des librairies, exemple URL, lib3, boto3, tu sais, boto3 là, pour parler à l'API d'AWS ou autre, c'est absolument nécessaire. Donc, je rentre les librairies que j'ai besoin ici dans mon... en fait, je ne montre pas le bon ici, là. Celle-là. Dans requirements.txt, hein, requirements.txt qui est le fichier par défaut pour Python. Dans requirements.yaml, je vais rentrer les différentes collections que je vais avoir besoin dans cet environnement d'exécution. OK? Et ensuite, je vais bâtir. Donc, je l'ai fait ici, là, je ne le referai pas parce que ça prend quand même un certain temps à... un certain temps à builder. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait un podman build, OK? Ça prend mes paramètres et ça bâtit mon image de conteneur. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais faire un podman tag. Là, vous voyez, j'avais même fait un petit typo ici, là. Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Là, on va faire podman image. On va regarder la liste des images que j'ai ici. Donc, j'ai ma version. OK, elle est ici. Donc, j'ai ma version de mon image, de mon environnement d'exécution que je veux publier. Donc, je vais faire tout simplement... Donc, les commandes relatives au conteneur que vous devez savoir, c'est 2-3 commandes de podman. Donc, de pouvoir taguer une image, de dire, OK, ben je prends la version, là, dans ce cas-ci, le 77788, et ensuite, je vais la taguer comme étant ma version de Twitch de mai. Tiens, Friday the 13. Donc, c'est mon tag. Et ensuite, là, je pourrais faire un login et tout. Et envoyer ça sur Quay. Une fois que j'ai mon image sur Quay, qu'est-ce qui se passe? Je peux aller dans ma plateforme Ansible. Et aller dans les environnements d'exécution. Créer un nouvel environnement d'exécution. OK? Donc, exemple... exécution Twitch, mettre le nom de mon image. Donc, je m'en vais chercher, en réalité, je m'en vais chercher l'image que j'ai bâtie ici. OK? Puis, oups, excusez-moi. Mais ça là, je dis, bon, ben, est-ce que je veux aller chercher l'image à chaque fois que je fais une exécution de mon playbook ou juste une fois? Bref, je peux contrôler de quelle façon je vais aller chercher l'image et c'est tout. Donc, ensuite, dans mon template, exemple, si ce playbook-ci requiert un environnement d'exécution particulier, je vais pouvoir tout simplement l'éditer et aller chercher mon environnement d'exécution que je viens de créer, exécution Twitch, qui est juste ici. Donc, select et j'enregistre. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais déclencher mon automatisation? Automatiquement, je vais aller chercher la bonne image. Okay? Dans ce cas-ci, je ne l'avais pas poussé sur mon registre Quay, je ne vais pas le lancer. Mais en arrière-plan, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'automatisation va aller, si je regarde ma plateforme de conteneur, ici, c'est mon projet d'automatisation, mon projet où la plateforme d'automatisation est installée. Quand je vais déclencher une job, en fait, je vais le faire ici, je vais juste prendre une autre parce que j'ai oublié de m'authentifier tantôt. Donc, si je déclenche une automatisation, qu'est-ce qui va se passer? Ça va démarrer un conteneur. Ce conteneur-là, en réalité, va aller chercher l'image qui contient mon environnement d'exécution pour rouler mon playbook. Okay? Tout ça va se faire
à l'intérieur de OpenShift. Donc, quand on installe Ansible sur OpenShift, en résumé, ça nous donne accès à l'environnement CodeReady Workspace pour justement héberger notre environnement de travail. Ça nous donne accès à la containerisation pour lancer les exécutions et l'administration de Ansible lui-même ne requiert plus de machine virtuelle et donc je sauve d'un point de vue des opérations et d'administration au jour 2. OK? Petite parenthèse ici, ce n'est pas absolument nécessaire de rouler sur OpenShift. OK? Vous pouvez installer l'environnement, vous pouvez installer Ansible Automation Platform sur RHEL. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en arrière-plan, il va utiliser Podman au lieu de Podman, au lieu justement de parler à Kubernetes, de parler à OpenShift. Okay? Mais dans un mode comme ça, vous n'aurez pas accès à l'environnement de CodeReady Workspace pour éditer vos environnements. OK? Donc, bref, plusieurs façons de l'installer, mais c'est sûr que sur OpenShift, on a plus de flexibilité au niveau des outils. Donc, je vais arrêter mon partage, Michael. Oui, parfait. Oh, trop vite encore le temps. Faut que je te laisse le temps. Hein? Ouais, faut que tu me laisses le temps de faire le switch. Ouais. OK, on l'a. Fait que là, les gens voient les trucs, là, ils voient nos trucs, là, ils ont vu ton écran vert. Ah, OK, ils ont vu le trucage. Bon, c'est bon. Ben oui, je viens de me voir passer. C'est justement. Puis écoutez, pendant que tu parlais, Martin, j'ai fait des petites vérifications. Je suis allé voir le chat de Twitch. Là. Je viens de voir qu'il y a des gens qui nous ont donné un coup de main. C'est le cas de Dave Ross et je crois qu'on a NXSoft aussi. Donc merci, messieurs ou mesdames. Avec des noms comme ça, c'est difficile à savoir si c'est masculin ou féminin. Mais bref, merci d'un coup de main. Il y en a qui ont posté les links. Ce que je me suis aperçu aussi, c'est les links, les liens. Les liens, on ne les voit pas non plus sur la diffusion. Normalement, on les voyait. Là, fait que j'ai un lien avec une application qui s'appelle Streamlab. Il semble être cassé. Donc, c'est des petits ajustements. Comme tu disais tantôt, c'est un dry run. C'est notre première depuis un petit bout. Donc, je vais tout regarder ça pour la prochaine, là, remettre ça en ordre. Et je suis content, gars, ça s'est bien passé, Martin, parce qu'on a terminé, enfin, on est rendu à la fin. Oui. Je suis content, le stream a tenu, il n'y a rien qui a décroché. On a eu peur quelques minutes peur, avant. Hein? Mais bon, je suis content que ça ait tenu. Écoutez, on avait beaucoup de matériel pour vous aujourd'hui. On a parlé un petit peu plus qu'on a démontré. Peut-être que les prochains, on démontrera plus, on va parler moins. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. J'espère que vous appréciez notre retour. Et on est vraiment motivés, moi et Martin, à continuer puis à reprendre une cadence plus normale dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, sur ça, Martin, bon week-end, bon vendredi après-midi. Fait super beau. Toi aussi. Samedi aussi, annonce super beau. Fait que profitez-en. Profitons-en. On se revoit dans 2 ou 3 semaines. Là. On va travailler là-dessus, moi et Martin. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Bon week-end.